Donc je suis Gilles de Grotte et je suis le concepteur et le responsable de la ferme Nature Découverte à Versailles, une ferme urbaine inspirée des principes de la permaculture. Et voilà, donc j'ai créé ce projet il y a à peu près 3 ans maintenant. Et avant ça, c'est un peu une reconversion que j'ai fait, puisque j'étais directeur associé avant d'une entreprise de conseil en stratégie de développement durable. Donc il y a une certaine continuité, puisque j'étais déjà dans le milieu de l'écologie, et j'ai pendant une quinzaine d'années accompagné des entreprises sur ces sujets-là. Donc j'étais très au fait des évolutions, des enjeux de société et des enjeux aussi écologiques. Et j'avais envie de me lancer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale. Je suis entrepreneur, j'ai créé mon entreprise, ancrée sur mon territoire, donc à Versailles, où j'ai vécu pendant 20 ans. Et puis j'avais envie aussi de toucher la terre, de travailler avec le vivant, puisque j'ai pendant très longtemps parlé écologie. Mais voilà, j'avais envie de vivre vraiment au contact de la nature et du vivant. Et donc j'ai décidé de quitter mon entreprise. J'ai créé une entreprise, une SASU, une société par action simplifiée unipersonnelle, pour créer CLAP, donc une entreprise spécialisée dans l'agriculture et l'écologie urbaine, avec comme projet de créer une première ferme urbaine. Donc au départ, c'était à Meudon où je vis, pas loin de Versailles. Et sur un terrain que je n'ai finalement pas eu. Ça a été un peu un parcours du combattant, c'était compliqué, on pourra y revenir. Mais dans ce cadre-là, j'ai contacté Nature et Découverte, qui était prêt, donc une entreprise qui est basée à Versailles, et qui était prêt à m'aider dans mon projet, puisque Nature et Découverte encourage ce type de projet-là. Et voilà. Et comme je n'ai pas eu le terrain, ils m'ont rappelé en me disant « Bah écoute, nous, on a un terrain pour toi, à Versailles, en face de notre futur siège social, sur la gare, enfin, au niveau de la gare des chantiers de Versailles. » Donc évidemment, c'était une vraie opportunité pour moi. Donc François Lemarchand, le fondateur de Nature Découverte, qui, donc, que je connais depuis un petit moment, m'appelle et me dit « Bah écoute, voilà, on va installer notre siège social à Versailles, à côté de la gare Versailles-Chantier. Il y a un terrain en friche en face, qui est un terrain du château de Versailles. Et on aimerait proposer à la présidente du château de Versailles d'aménager cet espace en une micro-ferme urbaine inspirée des principes de la permaculture. On voudrait te confier cette mission-là. » Donc évidemment, j'accepte, je trouve que c'est une opportunité assez exceptionnelle. Et le seul brief en fait de François Lemarchand, c'est de faire quelque chose de beau, de productif, d'écologique et de viable économiquement. Voilà. Voilà, donc j'ai ce terrain qui était un terrain voilà, totalement en friche, les murs étaient en train de s'écrouler. Promesse de faire quelque chose de beau. J'étais en cours de formation BPREA à ce moment-là, puisque pour me lancer dans cette aventure entrepreneuriale, je voulais apprendre déjà, parce que je ne connaissais pas grand-chose à l'agriculture. Donc j'ai fait une formation de responsable, un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole à l'université de Combourg, enfin de Rennes-Combourg, en maraîchage bio. Donc ça m'a pris un petit peu de temps de faire ça. J'ai fait beaucoup de stages. C'était hyper important de faire ça aussi pour me rendre compte de la réalité du métier. J'ai fait des stages. Alors moi, dès le départ, le sujet, c'était l'agriculture urbaine. Donc j'ai choisi mes stages en fonction de mon objectif. Donc du coup, j'ai choisi des petites fermes, des maraîchers qui cultivaient sur maximum 1 hectare, 2 hectares. Et puis même si, le stage principal que j'ai fait, je l'ai fait avec les apprentis d'Auteuil de Meudon sur un terrain de 7000 m². Voilà, donc très intéressant, au cœur de la ville, et ils cultivent pas mal. J'ai aussi fait 6 semaines de stage à la ferme du Bec-et-Loin, qui eux aussi sont connus pour produire beaucoup sur petite surface, et ça m'intéressait beaucoup d'explorer ça. Donc je me suis formé à la ferme du Bec-et-Loin aussi. En parallèle de ça, j'ai fait aussi des formations
à la permaculture, donc le cours certifié de permaculture, pour comprendre un peu ce que c'était que la permaculture qui émergeait à l'époque. On est en 2015-16. Et voilà, donc j'ai beaucoup appris. Et pendant ma formation BPREA, on nous apprend beaucoup les rotations de culture, on nous apprend beaucoup à cultiver de manière assez en bio, mais avec des outils mécanisés, tracteurs, serres, etc. Donc hyper intéressant, sauf que moi, ce n'était pas totalement mon projet. Moi, j'étais dans une logique de maraîchage non mécanisé, tout à la main, sur toute petite surface. Mais j'ai commencé à réfléchir à ce projet-là. J'avais mon terrain de jeu, c'est un rectangle de 3000 m2. Et j'ai commencé à faire des dessins de comment je pourrais cultiver là-dedans. Donc je faisais des dessins de planches de culture dans tous les sens. Je chargeais à fond, je me disais, bon, je vais cultiver au maximum dans ces 3000 m2. Et je n'étais pas content de ce que je faisais parce que... imaginez un rectangle sur une page blanche et je fais plein de petits rectangles à l'intérieur, quoi. Bon, pas hyper inspirant et on me demande de faire quelque chose de beau. Bon, et à ce moment-là, j'étais en stage à la ferme du Bec-et-Loin avec Charles Hervé Gruyer et Perrine Hervé Gruyer. Et donc, je bossais comme un dingue toute la journée et le soir, je bossais sur mon design. Donc, j'ai peu dormi, mais je voulais profiter du fait d'être à la ferme du Bec-et-Loin avec Charles pour pouvoir lui montrer des choses, ma réflexion de la nuit, etc. Et puis, bon, il n'est pas non plus vachement dispo, donc je ne voulais pas lui prendre tout son temps. Donc, voilà. Et l'enseignement que je retire de mes échanges avec Charles et de mon expérience à la ferme du Bec-et-Loin, et à mon avis, c'est extrêmement important, c'est d'abord, il me dit... le beau a plus de valeur que le mètre carré de culture. Ton projet, c'est de faire une ferme urbaine. Forcément, il y a une dimension donc, de production agricole, mais il va y avoir aussi une dimension d'accueil du public, parce que le modèle économique ne va pas reposer que sur les paniers. On le sait, l'agriculture urbaine ne va pas nourrir la ville. Donc, il y contribue, mais voilà. Donc, fais quelque chose de beau. Je me dis, en fait, il faut que je passe d'une logique de placement au maximum, d'optimisation des espaces pour mettre des planches de culture, à une logique d'aménagement d'un paysage comestible. Voilà. Et ça change tout. Donc, dans ma tête, je me dis, OK, je mets de côté ce que j'étais en train de faire. Il faut que je réfléchisse à un paysage comestible. Et je m'affranchis complètement de cette contrainte de j'ai 3000 m2, il faut que je cultive un maximum sur mes 3000 m2. Et ça a été un déclic vachement important. Et donc là, il me dit, écoute, le paysage, c'est un métier. Et effectivement, c'est un vrai métier. Peut-être fais-toi accompagner d'un paysagiste. Et donc, il me donne le numéro de quelqu'un avec qui il travaille, qui s'appelle Rémi Elgis, qui a fait le NSP à Versailles. Je l'appelle et je lui explique le projet. Je lui dis, écoute, moi, j'ai des idées assez claires sur ce que je veux, mais à un moment, il faut dessiner le paysage. Et je te propose qu'on le travaille ensemble, sachant que Rémi avait beaucoup travaillé avec Charles. Donc, on avait le même... inspirateur, quoi. On parlait le même langage, quoi. Et ça s'est très bien passé. Bon, on a mis quand même pas mal de temps à accoucher de ça. Donc, on l'a fait dessiner ensuite par une graphiste. Hein, mais on a travaillé. Ça, c'est ce qu'on a présenté au château de Versailles. Voilà, donc Charles me dit « La beauté a plus de valeur que le mètre carré de culture. » Non seulement parce que les gens vont être plus intéressés pour venir voir la ferme, et c'est ça que tu veux, mais en même temps, il se trouve que d'un point de vue agronomique, c'est plus malin, c'est la beauté apporte aussi, et plus productif en fait. Tout simplement parce que les fleurs apportent beaucoup de choses aux cultures à côté. Elles attirent les pollinisateurs, c'est un exemple. Il me dit aussi un autre enseignement très important. Donc je le disais, en BPROA, on nous apprend beaucoup les rotations de culture et tout, c'est vachement intéressant et hyper utile. Et donc, quand on raisonne en rotation de culture, effectivement, 3000 m2, c'est pas beaucoup, parce que comme je voulais faire du maraîchage diversifié, à un moment, les familles de culture, elles reviennent avant 3 ou 4 ans, quoi. Et donc là, j'étais un peu ennuyé.
Et donc j'en parle à Charles et il me dit, attends Gilles, nous on a avec les principes de la permaculture, de l'écoculture, en fait tu mets de tout partout tout le temps. Donc le problème des rotations se pose un peu moins. Et comme tu sors beaucoup de matière organique, enfin, en vendant des légumes, on sort beaucoup de nutriments, tu dois les compenser en apportant beaucoup de matière organique. Donc du coup, le problème des rotations se pose un peu moins parce que l'intérêt d'une rotation culture, c'est de limiter les maladies, c'est de faire en sorte que le sol puisse se reposer aussi. Et comme en maraîchage bio-intensif inspiré des principes de l'écoculture, on fait plein d'associations de culture, on amende énormément le sol, on paille beaucoup. Du coup, le problème se pose un peu moins. Et ça a été un deuxième déclic. Donc le premier sur la beauté, le deuxième sur le fait que je puisse un peu m'affranchir des rotations de culture. Voilà. Même si j'essaye un peu de le faire quand même, hein. J'ai réfléchi mon design en essayant au maximum de faire circuler les cultures principales, on va dire. Mais voilà, je me suis moins mis la pression là-dessus. Donc ça a été vachement important parce que du coup, je me suis dit, j'ai plus forcément besoin d'avoir mes 3000 m² qui sont absolument cultivés. Et donc du coup, on est parti sur le nombre d'or, un tiers, un tiers, un tiers, un tiers de surface agricole utile, SAU, 1000 m², un tiers de zone de circulation, le bâtiment, parce que la ferme a cette fonction aussi d'accueil du public, donc je veux qu'il soit confortablement installé. J'ai mis une grande clairière pour accueillir du public, alors que j'aurais pu cultiver, faire un mandala ou autre chose. Non, j'ai fait ce choix-là. Dans ma serre, une serre, quand même, c'est hyper précieux en maraîchage pour pouvoir produire beaucoup. On essaie d'optimiser un peu. J'ai quand même fait un chemin qui fait 1,20 m de large, alors qu'on aurait pu se dire, je fais un petit passe-pied de 50 cm, puis quand les gens vont passer, ils seront comme ça. Et je me suis dit, ça ne va pas. Donc, ces choix-là ont une vraie implication pour la suite, et on va le voir après, même pour le modèle économique. La beauté a plus de valeur et on peut s'affranchir un peu des rotations de culture. L'autre tiers, c'est des zones un peu plus sauvages, donc des mares, des nous, entre les mares justement, dans lequel il y a un peu moins de culture et plus de on laisse un peu plus de zones sauvages. Alors bon, on est quand même en zone urbaine, on n'a pas vraiment de zone 5 ici. La zone 5, on a une forêt qui n'est pas loin. Et puis j'aime dire que ma forêt à moi, c'est la ville. Parce que dans un design en permaculture, la forêt, c'est un lieu d'observation de la nature déjà pour apprendre, mais c'est aussi le lieu, l'espace qui va faire venir une biodiversité très riche, qui va être utile ensuite pour le potager. C'est un espace qui va nous fournir la matière organique aussi, le branchage, des feuilles, C'est un espace qui va me couper du vent, c'est un espace, etc. Donc la forêt apporte beaucoup, cette zone 5. Moi, ma zone 5, c'est la ville, en fait. C'est-à-dire que j'ai des immeubles qui me coupent du vent, j'ai des humains qui m'apportent la matière organique, puisque Versailles est là avec ses armes, et tout ça est envoyé dans une zone de compostage Bio-Yvelines Service, qui n'est pas très loin d'ici. Donc tous les paysagistes, tous les pépiniéristes du coin envoient les déchets verts là-bas. Et moi, j'achète le compost chez eux. Je le disais, il faut beaucoup amender le sol en maraîchage biodiversifié et intensif. Donc j'ai acheté pas mal de compost chez Bio-Yvelines Service. Et tout ça vient de l'activité humaine de la ville, Donc c'est pour ça que j'aime bien dire que ma forêt à moi, c'est la ville. En agriculture urbaine, dans un design permaculturel, la zone 5, c'est pour moi, c'est la ville, c'est la forêt qui est un peu autour. Donc du coup, on a décidé avec Rémi de créer un paysage comestible. On a découpé en trois, un tiers, un tiers, un tiers, je viens de le dire. Et donc on a travaillé tous les deux, on a essayé de trouver des formes qui soient belles, un équilibre dans l'aménagement de ce paysage. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire ici, sachant qu'il y avait quelques contraintes, puisqu'on est exposé plein sud,
enfin contraintes et opportunités évidemment. Donc on a une super bonne exposition, on est dans un ancien bassin, donc il y a des murs. Ça c'est hyper intéressant parce qu'il y a un microclimat qui se forme. Le mur c'est une masse thermique qui le soir fait rayonner la chaleur du soleil de la journée. Donc de fait, la serre était adossée au mur plein sud, donc voilà, c'était fait. Ensuite, la zone la mieux exposée c'est celle-là au soleil, donc on a mis le potager biointensif ici. Ensuite, là, il y a très peu de soleil, on a mis la mare. On était contraint par les ABF, donc les architectes des bâtiments de France, en termes de bâti, la cabane. Et on ne pouvait la mettre que... Enfin, déjà, on ne voulait pas la mettre dans toute cette partie-là qui est très ensoleillée. Et on ne pouvait pas la mettre là non plus parce qu'on est trop bas par rapport à la rue. Donc, il n'y avait que cette zone-là. Et on ne pouvait pas la coller ici parce que sinon on aurait été dans la perspective du château. Donc en fait, les choses finalement, on avait quelques blocs qui étaient obligatoires, quoi. Le bâtiment ici, la serre là et la zone vraiment intensive ici. Et ensuite, on a construit autour de ça. Les premières choses à faire dans un design en permaculture, c'est de penser les circulations. Circulation de l'eau, circulation des gens et puis l'énergie. Et donc, on a pensé l'eau, l'intérêt, on est en zone urbaine, il y a plein de contraintes, mais il y a aussi quand même quelques opportunités, quelques intérêts. C'est notamment le fait qu'il y ait des bâtiments autour, et par gravité, on peut récupérer l'eau de pluie. Et en maraîchage, il faut beaucoup d'eau. Donc, je me suis organisé avec les voisins, donc il y a une maison qui est juste derrière, et d'autres là-bas. Et par gravité, j'ai réussi à détourner certaines de leurs gouttières pour recevoir l'eau de pluie qui tombe dans la mare qui est ici. Du coup, cette mare-là se remplit grâce aux toitures voisines. Le trop-plein de cette mare, ensuite, par la noue centrale, arrive dans cette deuxième mare-là, qui est juste derrière, qui récupère aussi l'eau de la serre qui tombe ici, dans la mare-là, et tout ça par là-bas. Et puis, évidemment, le bâtiment, l'eau de pluie du bâtiment arrive aussi dans cette mare-là. Donc on a 150 mètres cubes de mare qui était censé nous suffire, on va dire, pour l'année, dans un contexte où il pleut quand même un peu régulièrement, où on n'a pas 4 ou 5 mois de sécheresse, quoi. Ce qui est le cas. Donc en fait, c'est pas assez. Alors peut-être que j'ai un peu gaspillé l'eau aussi parce que j'ai pas tout de suite installé tout mon goutte à goutte, donc j'ai utilisé un peu l'asperceur. Enfin bref, donc je vais progresser avec le temps. Mais clairement, ça fait partie des choses que j'améliorerai dans des prochains projets. Parce que, comme je le disais, je suis entrepreneur. Mon intention, c'est de faire de ce projet une vitrine pour aider d'autres acteurs à développer leur propre projet derrière. Nous sommes dans la ferme Nature et Découverte. La ferme porte le nom de l'entreprise qui est donc juste en face et qui a financé tout le projet. Donc, en fait, moi, j'ai mis aucun investissement là-dedans. J'avais pas les moyens de construire cette magnifique cabane, cette magnifique serre, de refaire les murs, etc. Donc, c'est Nature Découverte qui a financé tous les investissements. Donc, l'outil de production est financé par Nature Découverte. On a redonné 3 siècles de vie à ce lieu parce qu'on a refait les murs en respectant évidemment un cahier des charges assez strict des architectes des bâtiments de France, parce que là c'est un mur historique, hein, 1683. Donc c'est des gros investissements et en contrepartie, il y a dans le business plan du projet un loyer à payer à Nature Découverte, qui a financé tous les investissements. Voilà, moi je suis rémunéré aussi pour la mission que je fais. Je ne suis pas salarié de Nature Découverte, je suis à mon compte. Et donc j'ai 3 ans pour trouver le modèle économique. On arrive bientôt au bout des 3 ans, on a pris un an de retard sur le chantier et puis, y a le Covid qui nous a quand même pas mal ennuyé parce que moi on est donc en 2020 et j'ai lancé, donc le chantier s'est terminé en mars 2020 avec la serre, donc il a duré 2 ans alors qu'il devait durer un peu moins et on lançait toutes nos offres, et je vais en parler après, en mars.
Et malheureusement, voilà, en mars, tout le monde était confiné, donc c'était pas de bol, c'était un problème de tempo. Mais bon, voilà, ça m'a permis de me concentrer aussi sur la ferme. Il y a encore, enfin, tout n'est pas complètement fini, voilà. Donc voilà. Donc les offres de la ferme, c'est quoi? Le modèle économique de la ferme, c'est quoi? Il repose sur quatre piliers. Le premier, c'est la vente de légumes. Voilà, on produit une vingtaine de paniers par semaine. Là, on va faire la vente bientôt. Donc là, il y a 20 paniers qui ont été vendus cette semaine. C'est des paniers qui sont. Enfin, les gens achètent en ligne sur Internet. Ils commandent leurs paniers. On récolte que ce qui est commandé. Voilà. Donc l'idée, c'est d'arriver à, j'espère, à terme, peut-être une trentaine, voire une quarantaine de paniers, parce que je vais m'améliorer. Hein. Là, c'est la première année. Et encore, la vraie, vraie première année, ça va être 2021, parce que j'aurai mon outil de production depuis le début de l'année. Donc le premier pilier dans le modèle économique, c'est la fonction de production agricole. On produit une vingtaine de paniers par semaine qu'on vend aux riverains, aux équipes de Nature et Découverte. Et puis je vends en plus un peu aussi au chef de la maison de retraite qui est juste à côté, des Augustines, avec qui on a sympathisé et qui régulièrement m'achète des choses. Et ce qui est très intéressant en diversifiant comme ça, c'est ça me permet de bien gérer le mois d'août, enfin mois de juillet, août, l'été où les gens sont en vacances. Les 2 premières semaines d'août, il n'y a personne. Enfin, je passe de 20 à allez, 6, 7 paniers. Bon, c'est le début. Après, Versailles, c'est quand même grand. Je vais me faire connaître. Je pense que j'aurai peut-être plus le problème les années prochaines. Mais bon, globalement, la France, les 2 premières semaines d'août, les gens sont en vacances, quoi. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, Elder, donc le chef à côté de la cuisine de la maison de retraite, m'achète pas mal de choses. On échange très simplement par SMS. Je lui dis, voilà, j'ai ça, est-ce que ça t'intéresse? Il me dit, ouais, vas-y, envoie. Donc, ça, c'est vachement bien. Je perds très peu de choses, très très peu de choses, et ça, c'est important, quoi. Donc, ce qui fait que sur l'année, bon, ça va représenter. Alors, j'ai assez peu de recul, hein. C'est nouveau, hein, encore, hein, l'écosystème, là, l'agroécosystème est encore assez récent. Sur l'année, je vais générer peut-être 10 000 euros de chiffre d'affaires de vente de légumes. Voilà, ce qui est assez honorable sur une toute petite surface comme ça. Mais l'objectif, évidemment, c'est de faire plus. Donc l'année dernière, j'étais à 15 euros du mètre carré. Là, j'espère maintenir à 15 euros parce que là, j'ai un peu plus de surface. L'objectif, c'est d'arriver à 20, 30 euros du mètre carré. 30 euros du mètre carré sur 1 000 mètres carrés de surface agricole utile, ça fait 30 000 euros. Hein. C'est pas mal. Ça paye le salaire d'un ouvrier agricole. Mais bon, c'est un sacré challenge hein, parce que c'est énormément de travail. Donc voilà, c'est l'horizon. La ferme du Bec-et-Loing, je m'en inspire beaucoup. Les études qu'ils ont fait avec l'INRA, François Léger et tout, eux, ils sortent 50 euros du mètre carré, mais ils ont 40% de serre. Moi, j'ai 10% de serre. Donc, je peux pas, voilà, j'atteindrai jamais ce niveau-là. Mais voilà, je pense qu'un objectif assez raisonnable, autour de 25-30 euros du mètre carré, c'est jouable. Surtout que là, bon, voilà, je le vois, hein, j'ai plein d'espaces qui sont mal utilisés, où je pourrais déjà avoir d'autres trucs. Et je me suis planté sur plein de légumes aussi. Les choux, je me suis complètement planté sur les choux à cause de la chaleur. Enfin voilà, j'ai fait des erreurs et j'espère qu'avec l'expérience, je ne les renouvellerai pas et petit à petit, je vais tendre vers ça. Donc voilà, donc ça c'est première fonction de la ferme, lieu de production agricole, avec voilà, l'objectif de faire, allez, on va dire, cette année 12 000 euros, peut-être j'espère 15, puis 20, puis voilà, avec le temps. Le deuxième fonction de la ferme, c'est une fonction de transmission et d'apprentissage. Donc on fait des formations d'introduction à la permaculture, à l'agroécologie, au jardinage. Pour les adultes, on fait des ateliers pédagogiques pour les enfants aussi. Et à chaque fois, ça, c'est des offres qui, si elles marchent, parce que, comme je le disais, on lançait tout ça en mars. Alors, les formations, ça a commencé, ça marche bien. Les ateliers pédagogiques, là, on va voir avec la rentrée comment ça va se passer. Voilà, donc ça doit générer aussi un certain chiffre d'affaires. Et qui est un peu plus intéressant au sens où, voilà, quand par semaine, avec mes 20 paniers, je vais faire quoi? Allez, 400 euros de chiffre d'affaires.
Une formation, c'est tout de suite 1 000 euros de chiffre d'affaires, hein, dans la journée. Ou un atelier pédagogique, c'est 400, allez, je vais faire autour de 250 à 400 euros pour la demi-journée. Donc c'est intéressant. Et c'est donc ça aussi, c'est dans le modèle économique, c'est hyper important. Et il y a une attente hyper forte en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de citadins qui ont besoin de se reconnecter à la terre, qui se posent plein de questions sur le sens dans leur boulot, etc. Donc il y a une demande forte pour comprendre ce que, enfin voilà, enfin qui s'intéresse à ces sujets, le besoin de retour à la terre aussi. Bon voilà. Donc on ne vend pas du rêve. C'est important, c'est-à-dire qu'on n'est pas, je ne suis pas en train de leur dire « allez-y, c'est facile ». Non, on présente vraiment la réalité de mon expérience à moi, qui n'est pas forcément la même qu'ailleurs, mais voilà, moi je parle de ce que je connais. Mais ça intéresse beaucoup, il y a plein de gens qui ont des jardins et qui veulent réaménager leur jardin, des gens qui ont des maisons secondaires ou des gens qui veulent même changer de vie et s'installer. Et je leur parle de mon expérience et c'est très, très inspirant. Donc en fait, je parle de mon expérience, qui est une petite expérience. Hein. J'ai que, on va dire, en production pure, je n'ai que 2 petites années d'expérience, de recul, et encore pas tout sur toute la surface. Par exemple, sous serre, c'est ma première année. Donc je sais que j'ai fait déjà plein d'erreurs, de suivi de culture, voilà, parce que je l'ai vu, hein, je me suis planté sur certaines cultures, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que pour moi, une des grandes qualités du métier de maraîcher et dans l'agriculture, c'est la capacité à lâcher prise. C'est-à-dire, il faut pas se mettre trop de pression non plus. C'est-à-dire que voilà, bon, et ça, c'est l'intérêt des gens, des néo-agriculteurs comme moi, qui de toute façon, ils viennent avec plein d'humilité en se disant, on y va, et puis. Enfin voilà, c'est pas grave, on se plante, c'est normal, enfin, on apprend. Quand on se trompe, c'est jamais mauvais en fait, on apprend de ses erreurs. C'est important de parfois un peu lâcher prise, pas trop se mettre trop de pression. Alors c'est vrai que mon cas est assez particulier puisque moi de toute façon je suis rémunéré pour la mission que je fais et je ne dépends pas absolument de l'activité production. Pourtant, c'est quand même l'horizon, c'est-à-dire qu'à un moment, les gars qui me payent, il est prévu qu'ils me disent bah, « c'est terminé ». Et le deal, c'est vraiment de trouver le bon modèle, quoi. Donc c'est vraiment vers ça qu'on tend. Après, effectivement, il y a des choses dont j'ai beaucoup de chance, effectivement, d'être accompagné par une grosse structure qui a les moyens de gérer un problème d'un décalage d'un an d'un chantier, ce qui est le cas, d'un Covid, qui fait que toute l'activité rémunératrice de la ferme, alors qu'on lance, hein, donc c'est le début, c'est-à-dire atelier pédagogique, je vais en parler aussi, tout ce qui est séminaire d'entreprise, tout ça, c'est énormément ralenti. Je n'ai pas pu faire le chiffre d'affaires que j'aurais espéré cette année. Donc oui, j'ai quand même beaucoup de chance. En tout cas, donc, le modèle, c'est activité production agricole, activité de transmission et de formation, et activité d'innovation, d'inspiration. Donc là, je rejoins avec le métier que je faisais. Et ça, c'est un conseil moi, que je donne à tous ceux qui sont en reconversion. Je leur dis, ne laissez pas tomber vos acquis, en fait. Tout ce que vous avez appris, votre vie d'avant, etc. Construisez là-dessus aussi, c'est important. Et moi, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que je positionne ce lieu, la ferme Nature Découverte, comme un lieu d'inspiration et d'innovation pour la transition écologique. C'est le métier que je faisais avant. Et donc, quand j'étais consultant, je cherchais des lieux pour emmener mes clients, pour les inspirer, pour leur dire, écoutez, voilà les enjeux, il y a urgence, il faut agir. À votre niveau, voilà ce que vous pourriez faire. Et en fait, très souvent, on se retrouvait dans des hôtels, dans des salles de réunion, sans aucune identité, pas du tout inspirant. Bon, voilà. Et donc, j'ai créé un lieu vraiment inspirant pour ces entreprises-là. Donc j'espère que cette offre va bien marcher parce que le modèle de la ferme repose beaucoup là-dessus. L'idée, c'est quand même de recruter une personne en plus. Hein. Et donc, il faut que j'arrive à valoriser ce lieu comme un espace vraiment d'inspiration, d'innovation. C'est pour ça qu'on a équipé la cabane
avec tout le système barco, écran, on a des tables, des chaises, enfin tout est équipé pour faire un séminaire confortablement. Et ça, c'est hyper important. Ma vision de l'agriculture urbaine, enfin, c'est que ça marche que si c'est multifonctionnel, quoi. C'est pas juste je produis, je vends et je vis de ça. Parce que la ville, le coût de la vie en ville est beaucoup plus important qu'à la campagne. Autant un paysan qui s'installe à la campagne, qui vit sur son terrain, qui n'a pas d'emprunt, ou pas trop. Moi, je vends mon appart. Bon, je ne suis pas encore propriétaire, mais enfin, bon, c'est la banque, mais je vends. Oui, je peux acheter une plus grande maison, un terrain, et me lancer et devenir paysan. Je pense que ça peut marcher. Ça peut marcher à partir du moment où j'accepte d'avoir une vie très simple, où je vis sur place, où je n'ai pas d'emprunt. Parce que voilà, la vie coûte moins cher là-bas. Donc ça, c'est possible, c'est un choix de vie. Et avec les principes du maraîchage biointensif, de la permaculture, donc en gros, nos inspirateurs, la ferme du Bec est loin, c'est Fortier au Canada, Elliot Coleman, enfin voilà, tous ces gens qui montrent qu'on peut produire beaucoup sur petite surface. Bah ouais, là, c'est possible, on peut trouver un modèle, mais voilà, c'est beaucoup de travail, c'est pas beaucoup d'argent à la fin du mois. Et voilà, et c'est un choix de vie. Mais c'est possible, hein. Je pense que c'est possible. Moi, mon choix dès le départ, c'était l'urbain. Je voulais rester en ville. Donc, de toute façon, il fallait que je trouve un modèle hybride pour pouvoir vivre, en fait. Et c'est pour ça que j'ai créé mon entreprise, que je reste consultant, en fait, quelque part. Aujourd'hui, je suis à fond sur ce projet, mais toute l'expérience que j'acquiers ici, derrière, l'idée, c'est de pouvoir ensuite la valoriser sur d'autres projets. En utilisant cet espace comme un démonstrateur de mon savoir-faire et de l'expérience que chaque jour qui passe s'enrichit en fait. Voilà, donc voilà, et donc, dans le modèle économique, lieu de production, lieu de transmission, lieu d'inspiration, d'innovation, c'est aussi pour Nature Découverte quand même un lieu important. En termes d'image, c'est pour ça aussi qu'ils ont mis un investissement, hein. Pour eux c'est intéressant, c'est une entreprise, hein. C'est pas que de la philanthropie, donc en termes de d'image c'est quand même vachement intéressant. Pour l'instant je suis pas certain que ce soit un investissement, je dis pour l'instant parce que c'est avec le temps que ça se mesure tout ça, parce que l'investissement était quand même important, entre les murs à refaire, la serre, le bâtiment, etc., on n'est pas loin du million d'euros quoi. Donc, on a fait venir de la terre aussi. Donc, ça, c'est important. Et j'ai la chance d'avoir des partenaires qui voulaient faire quelque chose de beau. Parce qu'on est à Versailles, parce qu'on est sur un terrain du château, parce que c'est l'image de la marque, etc. Et voilà. Et donc c'est un investissement qu'ils ont fait parce que c'est, pour eux, c'est aussi intéressant, donc en termes d'image, mais aussi en termes de qualité de vie au travail pour leurs équipes qui viennent déjeuner, là vous avez vu tout à l'heure, des gens de l'entreprise Nature Découverte qui viennent tous les jours déjeuner ici, ils viennent parfois faire des réunions, faire des séminaires ici. Alors là je leur facture à chaque fois qu'ils viennent, parce que si je paye un loyer, la contrepartie c'est que l'effort, le travail que je fournis soit rémunéré. Et donc ça aussi ça rentre dans le modèle économique, c'est important. Voilà. Et puis, dernière ligne, on va dire, possible de chiffre d'affaires plutôt en mode subvention, c'est de faire de la ferme un lieu exemplaire en matière d'agriculture urbaine. Et je pense qu'il faut que les pouvoirs publics s'emparent de cet espace pour tester des choses. Et un exemple, en 2025, les organisations, donc par exemple la maison de retraite là, avec qui je travaille, les écoles, nature, voilà, vont devoir payer pour la valorisation de la matière organique. Nouvelle loi. Donc c'est très bien, parce que c'est quand même un peu absurde d'aller brûler de l'eau. On est quand même au 21e siècle. Donc bon, heureusement, les choses avancent dans le bon sens, ça met du temps. Et donc j'envisage de tester un composteur électromécanique, mais qui coûte des sous, donc j'aimerais investir là-dedans. Il est possible que... Enfin, j'ai fait une demande de subvention qui m'a été accordée, mais c'est qu'une partie du coût. Et personne n'est prêt à payer pour une chose que moi-même, je ne veux pas faire si ce n'est pas rémunéré. Pour l'instant, c'est un peu mis en stand-by. C'est la collecte des déchets.
C'est du temps, je l'ai fait analyser, j'ai fait travailler une stagiaire en ingénieur agro qui a modélisé le truc et on a estimé que c'était un jour homme par semaine pour aller chercher tout, bah, deux fois par semaine en gros, la matière organique de l'école à côté, de la maison de retraite, de deux, trois entreprises, enfin en gros pour alimenter le composteur électromécanique et en un mois derrière avoir du compost. Compost que j'achète aujourd'hui chez Bioline Service, qui vient par camion et qui me coûte 60 balles le big bag. Ce qui n'est pas très cher, hein. Donc pour l'instant, je n'ai pas vraiment un intérêt économique à le faire. Par contre, moi, je veux positionner ce lieu comme un espace d'innovation, donc ça m'intéresse d'expérimenter. Mais ça a un coût et ça ne peut pas être que moi qui supporte ce coût-là. Donc typiquement, ça, c'est des choses qui peuvent demain être subventionnées et donc ça devient du chiffre d'affaires pour la ferme en fait. Voilà. Donc c'est un peu ça le modèle économique, avec évidemment le poids important, c'est les séminaires, puisque quand on facture une journée de séminaire, c'est avec la salle qu'on a, l'espace magnifique et tout, c'est tout de suite 2 000-3 000 euros, quoi. Donc c'est quand même plus intéressant. Bah, c'est une expérience qui est vraiment en cours, là, hein. C'est encore le début, je dirais. Enfin, c'est-à-dire que, y a eu une première phase qui était la conception, la mise en œuvre. Donc là, j'avais ma casquette de concepteur, assistant à maîtrise d'ouvrage. Passionnant. J'ai appris énormément et ça m'a appris que voilà, enfin, installer des projets comme ça en agriculture urbaine, c'est hyper complexe. Qu'il faut avoir des bons soutiens locaux, politiques, financiers. Voilà, il ne faut pas se lancer là-dedans n'importe comment parce que enfin, si j'avais pas eu ces soutiens, rien n'aurait pu se faire. Et beaucoup de motivation, de persévérance, ça c'est hyper important, d'abnégation, parce que bah voilà, parfois il y a des blocages qui sont quand même compliqués. Mais on a réussi. Tu peux les éclairer justement, ces blocages. Bah, le blocage, c'est les accès, on a failli pas faire le projet parce que c'était compliqué de faire venir la terre. Voilà, voilà, donc on a dû payer plus cher pour faire venir par tapis roulant la terre qui vient enfin, qui vient de juste à côté. Mais voilà, on a failli pas faire le projet comme ça. Enfin, voilà, on a eu quelques contraintes qui très vite peuvent bloquer un projet s'il n'y a pas ce soutien fort. En tout cas, l'ancrage local, moi je viens de la ville, hein. Je viens de Versailles, donc je connais bien les gens. Il y a un appui important. Et ça, c'est vachement important pour que le projet marche. Une des fonctions de la ferme, je le disais, c'est un lieu de transmission, de formation, aussi à travers des stagiaires. C'est-à-dire que j'accueille énormément de stagiaires et c'est important dans le modèle aussi de la ferme parce que bah, je ne pourrais pas faire tout ça tout seul, même si c'est petit. Enfin, moi, je considère ça hyper grand en fait. Il faut du monde et il se trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent se former à ces métiers-là. Ou au moins le découvrir. Et du coup, je fonctionne avec pas mal de stagiaires. J'en ai au moins un, deux, et puis on monte à quatre parfois. Voilà. Donc certains, je gratifie quand ils travaillent pour une longue période. Et puis sinon, quand c'est des formations BPROA, enfin les mêmes stages que moi j'ai fait, là, ils ne sont pas gratifiés. Mais c'est une ressource hyper précieuse. C'est hyper important, ça. Et c'est une des forces d'être en ville et très accessible. Je suis à 300 mètres de la gare, ce qui fait que c'est très simple pour les stagiaires de venir. Et en plus, le lieu est quand même vachement sympa. L'ambiance est super cool. Moi, j'ai fait du management avant, donc j'adore travailler avec des gens. Donc c'est vraiment bien, quoi. Voilà, donc on a à nouveau. Et maintenant, ça se referme. C'est bizarre. Voilà. Et alors attends, le mot de la fin, Dans sinon, l'autre c'est... sens, là. Ouais. Au bout de la fin, oui, tu étais en train de... Oui, donc en fait, on a fait une première... Donc il y a eu la première séquence qui était conception, assistance à maîtrise d'ouvrage, qui s'est terminée grosso modo en mars, même si en même temps, j'avais quand même ma casquette de jardinier maraîcher, parce que j'ai fait quand même 2 saisons.
Et puis maintenant, j'enfile ma casquette un peu de, on va dire, business developer, c'est-à-dire que je garde ma casquette de jardinier, maraîcher, mais il faut que je développe l'activité. Donc il faut que je vende mes offres de séminaires, d'ateliers pédagogiques, de formations, etc. Et c'est la condition pour que je trouve la viabilité économique du projet. Donc ce qui fait que j'ai des journées quand même hyper remplies. Et heureusement que j'ai le support des stagiaires. L'horizon, c'est quand même de recruter, parce que si tout marche bien, et il y a tout le potentiel pour que ça marche bien, j'ai les moyens de recruter une personne. Donc voilà, ce serait quand même super. Et si on peut montrer que, à partir du moment où on a un soutien politique, un soutien financier sur la durée, c'est-à-dire pas juste un an et tout ça, mais vraiment sur la durée, parce que le temps d'installer le modèle, c'est long. Ça peut marcher, quoi. Et du coup, c'est des emplois non délocalisables, c'est hyper intéressant pour la ville, pour le quartier, ça crée du lien. Et il y a plein, en plus, de valeurs ajoutées qui ne sont pas encore valorisées, alors juste valeurs, qui demain, avec le temps, parce que voilà, on est un peu en avance, on est entrepreneur un peu précurseur, hein, je pense, hein. L'exemple de la matière organique tout à l'heure, je suis sûr que c'est une petite ligne de chiffre d'affaires possible, intéressante. Si je crée mon compost, je peux le revendre derrière. Intéressant. L'eau, pareil, l'eau hyper intéressant. Je récupère l'eau de pluie des toitures autour, je l'ai dit. Bon, pour la collectivité, dans un contexte d'adaptation au changement climatique, stocker l'eau là où elle tombe, pour éviter qu'elle aille engorger les fleuves derrière et créer des inondations, ça coûte une fortune. C'est à peu près à Versailles, c'est le directeur de Versailles Grand Parc qui me le disait, c'est 1000 euros du mètre cube de stocker de l'eau, enfin de créer les infrastructures pour stocker l'eau là où elle tombe au maximum. Et moi, quand je fais une mare, là j'ai dit 150 mètres cubes de mare, demain je peux peut-être me dire qu'en fait je vais faire 300 mètres cubes de mare et je vais aller valoriser à la collectivité en disant moi j'en utilise que 150 ou 200, mais j'en crée 100 de plus parce que on est dans un contexte où il va y avoir des fortes pluies de plus importantes. Et voilà. Et si demain, on arrive à valoriser ça, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui vraiment, mais si on y arrive dans un projet urbain, un projet de même un promoteur immobilier qui, ils sont déjà de plus en plus obligés de stocker, de mettre des cuves de stockage, mais si on en fait encore plus, c'est hyper intéressant. Un des éléments importants aussi, un message à transmettre, c'est que ce type de projet-là peut fonctionner parce que les porteurs de projets sont des gens qui ont d'autres compétences en fait. Pas que la compétence agricole, c'est important, c'est la gestion de projet, c'est la capacité à développer des nouvelles activités autour de l'activité agricole qui vont être rémunératrices. C'est la capacité à créer des liens avec les différents acteurs, tout le métabolisme urbain, et qui demain créeront de la valeur, quoi. Et donc c'est un peu des projets hybrides, hein, c'est clair. Moi je me sens agriculteur, mais pas que en fait, hein. Je suis un peu multicasquette, je le disais tout à l'heure. Et c'est ce qui me passionne en fait, finalement. C'est-à-dire que je crée mon job avec une dimension que je voulais, qui est d'être au contact de la terre et du vivant, mais aussi au contact des gens. Je continue à faire du marketing parce que il faut créer des offres qui aient un mode qui soit viable économiquement, et c'est passionnant, quoi, vraiment. Demain on fait une conférence autour de la transformation écologique et le rôle des entreprises dans cette transformation écologique. C'est pas des compétences de maraîcher, c'est autre chose, mais ça participe à la réussite de l'ensemble du projet. Je pense qu'il faut... déjà, c'est un travail d'équipe. Là, moi, je fais beaucoup de choses tout seul, ce qui est assez fatigant. Donc, c'est pour ça que j'aimerais recruter. Mais effectivement, les gens, les profils que je recherche sont des profils assez, assez hybrides, quoi. Des gens capables de mettre les mains dans la terre, de jardiner, de comprendre un plan de culture, qui ont le goût de l'effort aussi, parce que faut s'y coller, de désherber, c'est énormément de boulot, mais en même temps de créer des offres, être au service des gens, parce qu'on est un espace qui accueille du public, donc être au service, c'est aussi un métier quelque part,
accueillir du public, faire de l'événementiel. Enfin, c'est hyper riche quoi, comme activité. Et c'est ce qui fait sa richesse, sa force. Donc c'est un format un peu hybride. Et c'est pour ça que on va dire la permaculture, le principe de la permaculture et même la philosophie de la permaculture est extrêmement intéressante. L'objectif de la permaculture, c'est de concevoir nos installations humaines en s'inspirant autant que possible des écosystèmes naturels. On s'inspire du vivant. Et le vivant, c'est une diversité, c'est de la diversité. Et bien, nous aussi, on a une diversité d'activités, on a une diversité de compétences, une diversité de tâches à remplir, et c'est passionnant.